tu as très mal parlé à ton prof, tu es privé de sortie. Oh non! Et s'il fallait y penser avant? Mais c'est injuste, j'ai envie de voir mes copines. Et bah tu leur dis que tu ne sortiras pas pendant un certain temps. Mais maman, t'es relou, comment je fais si j'ai envie de voir mon copain aussi? C'est pas mes histoires, si tu continues de me saouler, tu es privé de portable. Ah non! Bah tais-toi! Ok, ok, je me tais. J'en reviens pas que t'as parlé mal à ton prof. Je suis vraiment désolée, maman. Du coup, tu es privé de sortie jusqu'à nouvel ordre. C'est très bien. Non, mais je reste inadmissible. C'est la vie, c'est pas grave. C'est ça, oui. On tape terriblement. Brunaldi, tu n'aurais jamais dû faire ça. Ben, désolée, ma minute. C'est trop tard, t'es puni. Puni? Oui, oui, puni. Oh non. C'est une honte d'avoir balancé la nourriture sur la dame de la cantine, enfin. Je sais très bien, oui. Donc tu sors plus. Ok. C'est pas drôle, je resterai dans ma chambre en train de regarder les dessins animés et je serai avec mes doudous, c'est trop bien. C'est quoi cette attitude, enfin? Perdu, mémune. Je me fiche d'être punie, je suis trop bien de mes chambres. Au fait, merci de m'emmener à l'école, maman, c'est trop bien. De rien, ma chérie, tu finis à quelle heure ce soir? Je finis à 16h. D'accord, super. Tu mets quoi sur tes lèvres? Oh, je mets ton gloss. D'ailleurs, il est trop beau. Mon gloss? Oui, maman, il y a un problème? Non, du tout, il te va très bien, en tout cas. Oh, merci, c'est gentil. C'est vrai que j'aime bien. Maman? Oui, quoi? Est-ce que je peux mettre ton gloss, s'il te plaît? Il était là. Mais bien sûr, enfin! Ah bon? Oui, oui, je suis sérieuse, tu peux mettre tout à fait mon gloss. Ah, merci beaucoup, je suis vraiment trop contente. Non mais tu fais quoi, Grenadine? Ben je mets ton gloss, mémune muet. Redonne-moi ça, c'est le mien. Mais tu vas l'abîmer, non mais tu es trop petite pour mettre du gloss, enfin. Eh ben je suis trop petite, mémune. Oui, oui, t'es trop petite, donc les bébés ne mettent pas ça. Ben normal, les bébés ils mettent des touches. Je rigole pas, Grenadine, si tu retouches, tu rentres à pied. À pied dans ce froid de lutin, là? Oui, oui, dans le froid, oui. Ok, mémune. Les filles, vous venez, c'est l'heure de la galette des rois. On vous entend. Ok, ok, j'arrive. C'est trop nul que ma soeur m'a encore disputé parce que j'ai touché son maquillage. J'arrive tout de suite. Oh super, ça va me remonter le moral. Il a dû trop manger de la galette des rouets muets. Ça en sait, Grenadine. Ouais, ouais, c'est clair. Pépé, Mémune, je peux aller sous la table, oui, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Bien sûr, Grenadine, vas-y. Oui, chérie. Génial. Ah là là, c'est trop une enfant. Ben oui. Ah oui, c'est vrai. Alors, c'est long. Oh là là, qu'est-ce qu'elle est longue. Ça va aller pour qui, Grenadine? Pépiner des murs. D'accord, tiens. Merci. Et celle-là? Mes grandes sisters. Parfait. Merci, c'est cool. Et elle? Mes moyennes sisters. J'espère qu'elle ne fait pas la fille. Ok. Ah, oh, super, merci. Il reste deux parts, donc celle-là, elle est pour qui? Ben, c'est pour moi, du coup. Parfait. Celle-là, elle est pour... C'est pour toi, Mémune, celle-là. Ok, super. Maintenant, on mange. Et voilà les petites cuillères. Moi, elle est par terre. J'espère tellement que je vais avoir la fève. Ça serait trop tip-top. Moi aussi, attends. Qu'est-ce que t'as? Je crois que je l'ai. Vraiment? Ah bon? Oh! Ah! J'ai la fève! Bravo! Bon, dis donc, je suis très heureux, ma fille. Génial! Heureusement qu'elle est bonne. Mais punaise! Si c'est comme ça, j'en veux plus du tout, mais. Ah non, Grenadine, je l'ai payée, donc tu la manges en entière. C'est vraiment trop naze, la galette dérouée. Du coup, ça m'a coupé l'appétit. Tiens la couronne. Merci maman, ça me fait tellement plaisir. Une reine, bravo. C'est vraiment trop cool. Bébé, moi, ben, je me donne ma chambre. Et à ce qu'on dit, on tombe toujours sur la fève quand on la coupe. Mais du coup, eh ben, vous aurez pu quand même faire un effort pour moi. Je vous quitte. C'est trop cool, il fait beau aujourd'hui. Oui, oui, oui. Grave, c'est super. Je vais me mettre un peu de crème. Sinon, c'était bien l'école cette semaine. Oui, ça a été. J'adore.
Oh non, il n'y en a plus. Hein? Je me sais, il n'y en a plus. Ben, je l'ai fini, grenadine, je crois. Mais c'était la crème pour les mains de Mamune. Oh là là, tu vas trop te faire disputer. Tuer. Mais arrêtez, vous me faites peur, là. Ben, tu peux grave te disputer, maman. Oh non, je vais encore dormir sur le paillasson comme dimanche dernier, c'est sûr. Mine. Dis pas ça. J'ai une idée, muet. C'est quoi ton idée, grenadine? Ben, je vais dire que c'est moi qui ai fini la crème comme Mamoun, elle me dispute jamais. Oh ouais, j'avoue, c'est bien ça. Vous êtes sûre que c'est une bonne idée? Ben, bien sûr que oui. Ben, ouais, c'est mieux d'essayer quelque chose quand même. Cool. Bon, vite, remets-la à sa place avant qu'elle arrive. Ok, ok, je la remets. Ben, tout va bien, les filles? Bonjour papa. Bonjour ma fille. Bonjour. Attends, tu as quoi là? Merde, je l'ai pas caché. J'ai rien. Rien, tu rigoles. Bah non, j'ai rien maman. Montre ton oreille. Pourquoi je te montrerais mon oreille? Parce que je te demande, enfin donc tu m'écoutes. Calme-toi chérie, enfant. Non, je me calme pas, j'ai cru voir un truc. Et alors ça doit pas être si important que ça. Oh que si c'est important, crois-moi. Mais laisse ta fille vivre quand même. Pardon, j'aimerais que tu me soutiennes quand même un peu. Bon, arrêtez de vous disputer, j'ai juste fait un petit piercing, voilà. Quoi, tu t'es fait un piercing? Moi j'adore, c'est très beau. Désolé, oh. Comment tu as pu faire un trou dans ton oreille? Non mais ça va pas toi. Mais maman, ça fait au moins 3 ans que j'ai envie de me faire un piercing, donc après avoir bien réfléchi, j'ai sauté le pas, voilà. En plus, elle vient d'avoir 18 ans, donc... Bref, il serait peut-être temps que je me taise, moi. Demain, tu t'enlèves, je te préviens. Ok. T'inquiète pas, ma chérie, je vais lui parler tout à l'heure. Merci, papa, merci. De rien, ma chérie, en tout cas, il est très beau, ton piercing. Bon, tout le monde là? Oui, on est là, Pépouni. Oui. Oui. Hop. Super. Je mets le GPS. Mais aussi, j'ai pas compris, mais on va chez qui, Mamune? Bah, on va chez tonton Robert et tata Jacqueline. Eh ben, mais moi, je les connais pas du tout. C'est normal, tu étais même pas née quand on était allé chez eux. Ouais, c'est normal, on n'y va pas souvent. Et voilà, j'ai mis le GPS. Ah, et Mamune, ils habitent où, tonton Robert et tata Jacqueline, au fait? Ils habitent dans la même ville que papy et mamie. Ok. Hé, les filles, j'aime pas du tout tonton Robert et tata Jacqueline. La dernière fois, quand je suis allée manger chez eux, ils m'ont grave disputé parce qu'ils voulaient que je finisse mon assiette. J'étais dégoûtée, vous pouvez pas savoir, mon Dieu. J'en garde un mauvais souvenir. Sérieux, ils ont fait ça? Eh ben... Mamune, ils sont gentils. Oui. Oh, grenadine, comme tu es jamais allée chez eux, avec ta mère, on va te rappeler 2-3 petites choses. Il faut que tu sois très polie, bonjour, merci. Oui, il faut que tu sois irréprochable. Ensuite, tu mets pas tes coudes sur la table. Tu parles que quand on te pose une question. Pas de téléphone quand on mange aussi. Ils sont trop exigeants. Oh oui, si tu savais. Tu manges tout ce qu'on te sert. Ah oui, tu finis toute ton assiette, surtout tu laisses rien du tout. Mais s'ils nous servent du cheval ou de la cervelle, ça le suffit. Eh ben tu manges pas, ouais, grenadine. Oh. Wow. Mais punaise. On compte sur vous. Les filles, d'accord, ça promet. Ok, les parents, j'ai vraiment pas d'y être. Pas de soucis. Oui, quoi? Oui.
Ça craint trop d'aller chez tonton Robert et tata Jacqueline. Faudrait trop qu'on trouve un truc pour aller chez papy et mamie. Ça serait tip top, non? Oh, j'avoue! C'est grave! Oh, j'ai une idée! Bah, qu'est-ce qu'il t'arrive? Maman, je commence à avoir mal à la gorge là et je tousse beaucoup. Oh là là, et moi je crois que j'ai attrapé un coup de chaud, j'ai trop mal au ventre. Un coup de froid déjà, Grenadine. Oui, maman, un coup de froid. Et moi j'ai ma tête chaude, maman. Ah bon? Aïe. C'est vrai, t'es bouillante. Non mais les filles, vous êtes toutes les trois pas bien. En même temps, si elles sortent un peu plus couvertes. C'est clair, bon, vous êtes vraiment malades là. Ça se voit pas. Aïe, oui. Oui, oui. Non mais chérie, tu connais tonton Robert, il supporte pas les gens malades. Oui, tu as raison, il est un peu hyperchondriaque. Donc on fait comment pour les filles? Jamais il les acceptera malades chez lui. Aïe, j'ai mal. Je suis bouillante. Aïe, ma gorge. Moi, ma tête chauffe encore, hein. Bon, on est où, là? D'après le GPS, on est pas loin de chez papy et mamie. Donc on fait quoi? On les dépose? Je sais pas, moi. Faut me dire, hein. Oh. Bon, oui, on les dépose, attends. Bon, les filles, ça vous dérange d'aller chez papy et mamie ce soir? Vu que vous êtes malades, on peut pas faire autrement, hein. Pas de problème, oui. Non, non, ça nous dérange vraiment pas. Ouais, ouais, on peut y aller. Bon, bah super, allez, on les dépose. Bon, bah les filles, on vous dépose comme on est à 5 minutes de chez papy et mamie. Oui, d'accord, soit papy et mamie vont me faire du thym avec du miel pour guérir. Oh là là. Quelle vie, sérieux. Non, mais c'est incroyable, elles sont toujours malades quand il faut pas. Trop bien, on arrive ici. Ouais, génial.